les champions. Ah, je comprends pourquoi ils détestent ça, putain. Ça, il le trouvera jamais. Où est-ce que je peux cacher celui-là? Ouais, non. C'est le premier endroit où il va regarder. Ah bah ça, en ce moment, il les utilise jamais, hein. Hop là, parfait. Voilà, tout est prêt. C'est sûr que ça va lui faire plaisir. Allez! Ah, ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Salut Flo, tu vis tout seul ici, regarde ton front. Je t'ai caché 3 œufs, joyeuse Pâques mon pote. Bordel, je suis con? Qu'est-ce que je suis con? Je suis sûr que je m'en suis caché avant le cul. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Oh non, sérieux? On peut t'aider, on a du temps libre et tout, c'est cool. Mais pourquoi tu trouves que c'est bien? Bah parce que ça va nous permettre de réaliser des projets qu'on avait mis de côté à cause du boulot. Quel projet? Je sais pas, toi tu voulais apprendre à jouer du... Du piano? Oui, du piano. Et moi je t'ai promis que j'allais construire une cabane dans le jardin. Et ben, go! On n'a plus aucune excuse maintenant. Chérie, j'ai enfin réussi à... Oh non, mais j'y crois pas, il a rien construit en fait. 16, 17. Je viens de faire 17, c'est mon record. Non mais chérie, quoi. Quoi? Oh non, mais t'inquiète, j'attaque la cabane demain, promis. Pff, vivement que le confinement se termine. Oh non, merde. En ce moment, il y a des gens qui ont tellement peur qu'ils se mettent à penser n'importe quoi. Le coronavirus n'existe pas, l'État nous ment pour nous manipuler. Lui, c'est un champion. Ah, ça y est, je te vois. Heureusement que mes potes sont pas comme ça. Bah, c'est simple, Franjo, il faut qu'on reste tous en confinement chez nous. Et les médecins, ils préconisent qu'on se lave régulièrement les mains dans la journée. Il faut que tu restes chez toi et que tu te laves souvent. Ça va te changer, toi. Bon, apparemment, on doit rester chez toi. Chez moi? Bah, j'y peux rien, c'est Franjo qui me l'a dit. Il faut se laver genre 6-7 fois par jour. Bon, attends, faut que je prévienne les potes sur Twitter, hein. Venez tous chez moi! Chez toi? Là, par contre, tu participeras aux factures d'eau parce qu'il faut laver mon appart toutes les heures. Et ramène une serpillière, j'en ai que deux! Reste au moins à 1 mètre des gens, parce que si jamais un malade te tousse dessus, tu peux potentiellement en fait respirer le virus. Faut que tu restes à plus d'un mètre des gens, parce que s'il y en a un qui tousse, tu peux avaler le virus. Reste au moins à 2-3 mètres des gens, parce que si une personne tousse, tu peux direct choper le coronavirus. Et même si le gars est pas malade? Ouais, je sais pas, peut-être, ouais. Faut au moins que tu restes à 10 mètres de tout le monde, parce que... 10 mètres? J'explique, même si le gars il l'a pas et qu'il tousse, il te le file. Attends, mais t'es sûr de ce que tu dis, là? Bah évidemment que je suis sûr, c'est les médecins qui l'ont dit. Oh putain, d'ailleurs, je vais prévenir tout le monde sur Facebook. Ah bah oui, si t'as un masque, oui, tu peux le mettre quand tu sors, mais ça protège pas complètement. Hein. J'ai vu que si t'avais un masque, tu pouvais le mettre, mais apparemment, ça sert pas à grand-chose, quoi. Ne le mets pas, ça sert à rien. D'accord. Mais si ça se trouve, ça transmet même le virus, ce truc. Hein. Non. Mais sinon, t'as qu'à les donner aux soignants, ils en ont besoin. Hein? Mais t'as rien compris ou quoi? Y a du coronavirus dans les masques! Fais comme moi, brûle-les tous! Brûle-les tous! En train d'étudier un médicament à base de chloroquine, mais pour le moment, on sait pas du tout si ça va permettre ou pas de combattre le virus. Quoi. La chlorodine, je crois. Bah, c'est... Bon, après, c'est pas sûr que ça marche, mais... Faut qu'on trouve de la chlorophylle. Ouais. Ça peut marcher, apparemment. Écoute, moi, j'ai du chewing-gum à base de chlorophylle. Ça marche, ça. Ce que bon, je veux 40 balles de pâté sur cette canette. Après, j'avoue que moi, depuis ce matin, j'ai un peu de fièvre, j'ai 38. C'est pas forcément le coronavirus, hein. Ça peut être tout, n'importe quoi. Florent, il a de la fièvre. Après, on n'est pas sûr que ce soit ça. Putain, Florent a le virus, il va claquer.